Ah, ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur que les gens, ils n'ont pas cru en toi. Ça me fait grave mal au cœur. Ça me fait mal au cœur que les gens, ils n'ont pas cru en ta passion. Que les gens ne croient pas en ta passion. Ça me fait mal au cœur que les gens ne croient pas en ta vision. Ça me fait mal au cœur que les gens ne croient pas en toi. Ça fait mal au cœur que les gens ils voient pas que tu as un potentiel de malade. Ça me fait mal au cœur que les gens ne comprennent pas qui tu es. Ça me fait mal au cœur que les gens ils savent pas que quand Dieu t'a créé, il a mis un don en toi, mais un don tellement puissant que ce don, le jour où il va éclore, ils vont rien comprendre. Ça me fait mal au cœur que les gens ne t'accompagnent pas. Ça me fait mal au cœur que les gens te voient pas. Ça me fait mal au cœur que les gens ne reconnaissent pas. Ça me fait mal au cœur que les gens ne savent pas qu'à l'intérieur de toi, t'es une puissance interne. Ça me fait mal au cœur que les gens ne comprennent pas qui tu es. Ils comprennent pas, ils suivent pas le mouvement. Ils suivent pas. Ils pensent que ouais, c'est le basket et c'est fini. Y a pas que le basket dans la vie. Le basket, c'est une école de la vie. Le basket, c'est une leçon. Le basket, c'est une école. C'est où tu apprends les de plus grandes choses que tu apprends même à l'école. Le basket, c'est une éducation totale. Le basket, c'est la vie. Le basket, c'est aussi la vie. Et ça me fait mal au cœur que les gens ne comprennent pas ça. Et c'est pour ça que quand je fais cette vidéo-là, je suis content de les faire parce que au moins je sais que t'es pas tout seul. Je sais que t'es pas tout seul dans ton coin. À rêver et t'es pas fou. T'es pas fou. Parce que je suis dans la même position que toi. On n'est pas fou. On est des rêveurs, on est des grinders, on est des charbonneurs, on est des charbonneuses. Et on n'est pas fou. On a des objectifs et on sait que Dieu nous a pas mis là pour se faire dominer. Et quand je dis se dominer, ça veut dire il nous a pas mis là pour qu'on. On nous donne des ordres qu'on exécute. Dieu nous a pas mis là pour que quelqu'un nous manque de respect ou pour que les gens manquent de respect. Au contraire, Dieu nous a mis là pour qu'on crée ce respect-là et au contraire même, il nous a mis là pour que ce respect soit une reconnaissance envers son nom. Dieu nous a pas déposé ici là comme ça pour être juste comme ça. Donc moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Ça me brise les cœurs. Mais, comme DJ Khaled dit, God did. Dieu l'a fait. Dieu, il t'a créé. Et ils ne savent pas que tu es une créature exceptionnelle. Tu es une créature exceptionnelle. Tu es la création de Dieu. Dieu, après avoir créé tout ce royaume, tout ce kingdom, il t'a créé toi. En dernier, il t'a créé. Il a fini de créer la terre. Il a fini de créer tout ce qu'on a besoin ici. Il a tout créé. Il a créé les animaux, il a créé la graille, il a créé le soleil, il a créé le temps. Et quand il a fini de créer tout ça, il t'a créé toi. Il t'a créé toi. Et quand il t'a fini de créer toi, quand il a fini de créer l'homme, il a dit non, l'homme, c'est pas bon qu'il soit seul. Parce que s'il veut réussir dans sa vie, s'il veut aller loin dans sa vie, il faut qu'il lui rajoute quelqu'un. Donc c'est après ça que Dieu il a créé la femme. Donc aujourd'hui, t'as pas forcément besoin d'une femme. Parce qu'avant de créer la femme, Dieu il a créé un travail. Parce qu'avant de créer la femme, il a créé le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, c'est l'endroit où tu es abondant. C'est l'endroit où tu vis, où tu cultives ta vie en fait. Et quand il a créé ce jardin, avant de créer la femme, il a créé ce jardin. Et il a dit à l'homme, il a dit à Adam, cultive ce jardin. Et ensuite, pendant qu'il cultivait, il a dit, c'est pas bon qu'il soit seul. Mais il faut comprendre que si tu cultives rien, c'est mieux que tu sois seul. Si t'as pas de vision de vie, c'est mieux que tu sois seul. Si t'as pas de direction, c'est mieux que tu sois seul. Si t'as pas de motivation, c'est mieux que tu sois seul. Si t'as pas de direction, c'est mieux que tu sois seul. Mais si t'as une direction, si tu as une vision, si tu as des objectifs, si tu as
une direction, si tu as de la motivation pour faire quelque chose, si tu as envie d'arriver quelque part, au bout d'un moment, Dieu mettra des gens sur ton chemin pour t'accompagner dans cette direction. Ça peut être la femme de ta vie, comme ça peut être des gens de passage. Mais le problème avec les gens de passage, c'est que ils sont là, ils t'apportent des choses, mais ils savent pas ce qu'ils loupent. Donc au lieu qu'ils se cantonnent, qu'ils s'accrochent à ta vision, bah pour des petites embrouilles, ils vont se barrer, pour des petits trucs, ils vont faire des cinémas et tout ça. Ils savent pas ce qu'ils ratent. Mais c'est pas grave, parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui part, à chaque fois que t'as un ami ou un proche ou ta meuf ou quoi que ce soit qui croit pas en toi, sache que Dieu, lui, croit en toi. Et il mettra toujours quelqu'un à tes côtés pour te supporter. Si c'est pas un humain, c'est des anges. Et si c'est pas des anges, c'est des humains. Et dans chaque humain, il y a l'image, il y a le caractère de Dieu qui parle. Parce que Dieu nous a fait à son image. Chaque humain que tu vois, il est à l'image de Dieu. Et quand on emploie le mot image, c'est pas forcément l'apparence physique. Mais c'est le caractère, c'est l'amour que Dieu il a pour toi. Donc un jour ou l'autre, aujourd'hui tu es tout seul, c'est pas grave. Dieu va mettre quelqu'un à côté de toi. Peut-être c'est moi, j'en sais rien. Peut-être c'est moi qui l'a mis avec toi pour t'accompagner dans ton rêve. Mais si c'est pas moi, il mettra d'autres personnes. Il mettra d'autres personnes. Et même si c'est moi, même si c'est que moi, il en rajoutera. Parce que moi je suis derrière l'écran, je peux pas être physiquement partout et en partout tout le temps, tu vois. Mais en tout cas, je peux t'accompagner virtuellement, c'est-à-dire derrière la caméra, je suis là. Et si tu as besoin de moi, tu sais très bien que si tu m'envoies un message, tu vas me trouver. Si tu as besoin de ma force, tu sais très bien que tu me trouveras. Si tu as besoin de mon énergie, de ma connaissance, de mon expertise dans le basket, tu sais très bien où tu vas me trouver. Parce que tous les basketteurs qui sont venus me parler et qui m'ont posé des questions, bah, j'ai toujours fait en sorte de répondre. Soit par écrit, soit par une vidéo, soit par un message, soit par un vocal, soit par un écrit, soit par quelque chose. Donc, si tu te sens seul, sache que moi, je suis là pour t'aider. Je suis là pour te donner de la force. Et si moi, je ne te suffis pas, enfin, quand je dis je ne te suffis pas, si tu as besoin de plus, Dieu, il est là. Dieu, il est là et il mettra des gens avec toi. Il mettra des gens qui t'accompagneront. Il mettra des gens qui te donneront de la force. Mais pendant ce temps-là où tu es seul, crois en Dieu parce qu'il t'a créé. Crois en lui. Crois en lui parce que tu es une créature magnifique. Tu es une personne magnifique. Et il t'a pas juste mis là pour passer à aller dormir et aller mourir. Non, il t'a mis là pour faire des choses exceptionnelles. Donc on est ensemble la famille. Si tu as besoin d'informations, n'hésite pas à mettre dans le commentaire. Si tu connais quelqu'un qui a besoin de cette force, n'hésite pas à lui passer le message. Si tu connais quelqu'un qui est dans le doute, n'hésite pas à lui passer le message. Si tu connais quelqu'un que tu penses qu'il va t'accompagner ou tu as besoin de cette personne pour t'accompagner, passe lui le message. Autrement, je te dis à bientôt. Allez, peace.